Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour chers parents. Bonjour chers parents, bonjour les enfants, bonjour chers collègues. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes. J'espère que vous serez tous nombreux ici. On va attendre quelques minutes, le temps que vos camarades seront là, puis on va commencer. Entre-temps, je vais vous faire écouter une chanson. J'espère que vous aimez cette chanson. Allez. Oui, Salem, Maria Maslema, bonjour. Youssef, salut. Smaïl, bonjour. Bonjour Mabrouk, bonjour Khalil. J'espère que vous allez bien aussi. Aya, bonjour Aya. Salut, oui, salut, c'est bien, je suis. Aïcha, salut Aïcha, c'est bien. Salma, bonjour. Les enfants de la terre, les chansons comme prière, et réunir le monde de l'humanité. Bonjour Nour, bonjour Mohamed Yed. Où sont les autres? Où sont vos camarades? Hela, Hedia, Tesnim, bonjour Tesnim. Bonjour Mohamed Aziz. Mohamed, bonjour, c'est bien. Lamia, bonjour. Hamdemine, bonjour. Molka, salut Molka. Joli nom, Molka. Bonjour Shahd. Allez, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, une leçon très importante. Donc, les destinées à la quatrième année. Ça, au début de l'année. Mais j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ne savent pas encore utiliser les différents types de phrases. C'est-à-dire, on va parler de la phrase négative. On va parler les types de phrases et aussi les formes de phrases. Pour cela, on va commencer tout d'abord par un petit rappel. On va rappeler la notion de la phrase ou bien la notion de phrase. Qu'est-ce que vous savez sur la phrase? Allez-y, je vous écoute et je vais lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous savez sur la phrase? Quels sont les types de la phrase? Allez-y. Écrivez, allez, je vais voir vos commentaires. Oui, qu'est-ce que vous savez sur la phrase? Combien y a-t-il de types de phrases? Emna, bonjour. Oui, Hanen aussi, bonjour. Allez, qu'est-ce que vous savez sur la phrase? J'attends.
très important. Tout ce que nous sommes en train de faire ici a pour objectif la production écrite. Donc, c'est très intéressant de connaître les types et les formes de phrases. Vous allez utiliser ça dans vos productions écrites. C'est bien, Mohamed Zouébi. C'est bien. C'est bien. Très bien. Bonjour, Raif. Oui, déclaratif. C'est très bien. Hamdi, c'est bien. Haïfem, c'est bien. Fide, oui, les autres. Phrase déclarative, exclamative, interrogative, impérative. C'est très bien, Yassine. C'est une très bonne réponse. Merci. Affirmative. Affirmatif, oui. C'est très bien. Donc, c'est juste un rappel. Nous avons vu ça au début de l'année. Exclamative, oui. Très bien. Donc, cette leçon, nous l'avons vue déjà au début de l'année. C'est juste un petit rappel. On va rappeler ça très vite. Donc, la phrase. Allez, suivez. Donc, on va parler de les types de phrases. Les types de phrases. Donc, il y a tout d'abord la phrase affirmative. Oui. Il y a aussi la phrase interrogative. Donc, comme je viens de dire, c'est juste un rappel. On va se rappeler de la notion de phrase. On va faire un peu vite. Il y a aussi la phrase impérative et enfin il y a la phrase exclamative. Donc il y a quatre types de phrases. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Très bien. Donc, il y a quatre types de phrases. La phrase affirmative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Donc, pour la quatrième année, on va voir seulement ces quatre types. Donc, pour vous, les quatrièmes années, on va parler de la phrase affirmative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Donc, comme vous voyez, il y a quatre types. Allez, pour la phrase affirmative, pardon, je viens de la phrase déclarative, pardon, la phrase déclarative, j'ai fait erreur, je m'excuse. Donc la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors, pour la phrase déclarative, de quoi est-ce qu'on va parler? On peut l'employer pour... Pourquoi on peut utiliser la phrase déclarative? Bon, on peut l'utiliser pour décrire un paysage, par exemple. Pour décrire un paysage. On utilise la phrase déclarative. Quoi encore? Pour raconter un événement. Est-ce que vous suivez? Donc, on utilise la phrase déclarative pour décrire un paysage ou bien pour raconter un événement ou bien pour donner une information. Ou bien donner une information ou bien raconter une histoire. D'accord? Raconter une histoire. Donc, on utilise la phrase déclarative pour décrire un paysage, ou bien pour raconter un événement, ou bien pour raconter une histoire, ou bien pour donner une information. Alors, la phrase interrogative. Donc, ici, la phrase déclarative, elle se termine toujours par un point. Elle se termine par un point. Est-ce que vous êtes d'accord ou non?
Très bien. Déclarative, oui. C'est bien. Bravo, oui. Allez, on passe à la phrase interrogative. Donc, on utilise la phrase interrogative pourquoi? Pour la phrase interrogative, pour demander des informations. C'est-à-dire, pour demander des informations ou bien pour poser une question. Lorsque je veux poser une question, j'utilise la phrase interrogative. Est-ce que vous êtes d'accord? Et généralement, elle se termine par un point d'interrogation. Donc, je rappelle, la phrase déclarative, elle se termine par un point. Je l'utilise pour décrire un paysage ou bien pour raconter un événement ou bien pour donner une information ou bien pour raconter une histoire. Donc, on utilise la phrase déclarative. La phrase interrogative, on l'utilise pour demander une information, pour chercher une information en posant une question. Donc, je pose une question pour avoir une réponse. Donc, elle se termine par un point d'interrogation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous suivez? C'est très bien. D'accord, c'est très bien, Nour. Sené, c'est très bien. On dit type déclaratif, interrogatif, exclamatif et impératif. C'est très bien. C'est très bien, Fadoua. Bravo. Oui, c'est bien. Les autres. Allez, on continue alors. On va parler de la phrase exclamative. On l'utilise pourquoi cette phrase exclamative? Elle exprime un sentiment. Essayez de m'écouter. Donc, elle exprime un sentiment ou bien une émotion. Elle exprime un sentiment ou bien une émotion. Ou bien une admiration. J'admire quelque chose. Oh, comme elle est belle. J'admire quelque chose. Lorsque je veux exprimer une émotion, j'utilise la phrase exclamative qui se termine toujours par un point d'exclamation. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants? C'est très important. Donc, on voit toujours dans vos productions écrites des enfants qui ne savent pas encore mettre le point, mettre le majuscule, poser une question, exprimer un sentiment, exprimer une émotion. C'est important pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser dans vos productions écrites. Donc, suivez bien, s'il vous plaît, c'est très intéressant pour vous. Très bien, Ranoma. Oui. Marioma, c'est bien. Mohamed Zouébi, bravo, c'est bien. Saïdani, c'est bien. Smaïl, excellent. Oui, c'est très bien. C'est toi qui es l'excellent, Smaïl. Tu es un bon élément, bravo. Allez, on va parler maintenant de la phrase impérative. Donc, vous l'avez vu, cette phrase, il y a une semaine ou même pas avec Madame Kauf, Samaï, elle vous a montré la phrase impérative. On l'utilise pourquoi, généralement? Pour donner un ordre. Donc, on utilise la phrase impérative pour. C'est une phrase impérative ou injonctive? Donc, c'est injonctive. Donc, elle permet, elle donne un ordre. Lorsque je veux donner un ordre ou bien je veux donner une recommandation, j'utilise la phrase impérative. Elle donne un ordre ou une recommandation. Une recommandation. Je vous rappelle. C'est quoi la phrase impérative? Elle commence toujours
par un verbe. Elle commence toujours par un verbe. Vous avez vu, lorsque la maman a donné des conseils à ses enfants, elle leur donne des conseils. Faites attention, retournez vite, ne tardez pas, etc. C'est une phrase impérative. Elle commence toujours par un verbe. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Allez, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous suivez? Oui, pour donner des informations. La phrase déclarative. Oui, bravo. Neger, c'est bien. Neget, pardon. C'est bien. Oui, Ayoub. Ayoub, c'est quoi le N? Elle imprime. Elle est à donner un ordre, un conseil. C'est bien, Selem. Selem Thoraya. Tu es en retard. Donc, la phrase impérative, on l'utilise toujours pour donner un ordre ou bien pour donner une recommandation. J'utilise la phrase impérative. Elle commence toujours par un verbe. Vous avez vu ça? C'est très simple. Comme « laisse-moi dormir ». C'est très bien. On va vous laisser dormir, mon petit. Oui. Arfé, oui. Bonjour. Oui, tout est clair. Merci, mon ami. Très bien. Allez, on continue. Très bien. Il y a des collègues ici. Je suis ravi. Très bien. Allez, est-ce que vous êtes d'accord? Je peux effacer le tableau. Pardon. Voilà. Donc, j'ai touché ma gamme. Bon, allez, on continue. Donc, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative, ce sont les types de phrases. Donc, celle-ci, c'est pour donner une information, pour raconter une histoire, pour décrire un paysage, pour donner une information. La phrase interrogative, pour demander des informations, c'est-à-dire pour poser des questions. Je peux demander des informations en posant des questions. Pourquoi? Comment? Est-ce que? Où? Quand? Etc. La phrase impérative, c'est une phrase impérative, ou aussi on l'appelle injonctive. Donc c'est une phrase qui donne un ordre, qui donne un conseil, qui donne une recommandation. Elle commence toujours par un verbe. Et enfin, la phrase exclamative, elle exprime un sentiment ou bien une émotion, une admiration. Quelle belle journée, quel beau temps, quelle belle matinée, comme elle est belle. C'est une phrase exclamative. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Est-ce que c'est clair pour le moment? Salut. Oui, Yasmine. Très bien. Oui. Good. Merci beaucoup. Mohamed, c'est très bien. Mohamed Zouébi, c'est bien. Nabi Hakwafur. Bon, est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Donc, les formes maintenant. On va parler des formes de la phrase. Oui, impératif présente un ordre. Parfois, ça coupe. On va quand même continuer. Donc, on va passer aux formes de phrases. Les formes, il y a combien de formes? Donc, il y a la forme. Donc, je suis toujours dans la phrase. Il y a la forme affirmative. Il y a la forme affirmative. Et il y a aussi la forme négative. Négative. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de phrases, 5 ou 6 formes de phrases. Mais pour la quatrième année, on s'intéresse seulement à la forme affirmative et à la forme négative. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, allez, on va passer. Je vais vous donner des exemples des cas réels. Allez-y. Donc, retenez ça. Donc, vous allez retenir quelque chose. Il y a 4 types.
Il y a deux formes. Pour nous, la quatrième année et la cinquième année. Donc, vous allez au lycée, vous allez voir d'autres formes de phrases. D'accord? Donc, retenez quatre types de phrases. Déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Et deux formes, la forme affirmative et la forme négative. Est-ce que je peux effacer le tableau? Allez, je vais vous donner une minute, puis je vais effacer le tableau. Deux formes, c'est bien. Bonsoir Youssef. Est-ce que vous êtes d'accord, Molka? Oui. Zain. Oui, c'est bien. Est-ce que je peux effacer mon tableau? Parce que je n'ai pas de place. Affirmative et négative. Oui, c'est très bien. Oui, allez. Donc, je vais vous donner quelques exemples maintenant. Donc, est-ce que vous voyez mon tableau? Donc, je vais essayer de baisser un peu. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le tableau? Tableau en bas, en écriture. Bon, est-ce que vous voyez comme ça? Donc, ce n'est pas grave. Allez. Allez, on continue. Allez. Donc, je vais maintenant vous donner des exemples. Allez, où est mon chiffon? Je dois chercher un chiffon, puis je vais revenir. Allez, je vais vous donner quelques exemples. Ben, allez, est-ce que je peux effacer le tableau? Allez, je vais maintenant effacer mon tableau. Allez, je vais vous donner des exemples de phrases déclaratives. Des exemples de phrases. Allez. Allez, un exemple de phrase déclarative. Allez, un exemple. Je suis. Donc, une phrase déclarative. Par exemple, je suis mes cours. Je suis, le verbe suivre. Je suis mes cours en ligne. C'est une phrase qui donne des informations. Je suis mes cours en ligne. C'est une phrase déclarative. Elle donne une information et elle se termine par un point. Alors, une phrase interrogative. C'est une phrase qui pose une question. Par exemple, quelle heure? Quelle heure est-il? Elle se termine par un point d'interrogation. Quelle heure est-il? C'est une phrase interrogative qui demande une information. Une phrase exclamative. Par exemple, quelle belle journée. Quelle belle journée. C'est une phrase exclamative qui exprime un sentiment et se termine par un point d'exclamation. Une phrase impérative maintenant. C'est une phrase injonctive. C'est une phrase qui donne un ordre ou bien qui commence par un verbe. Qui peut me donner un exemple? Allez, qui peut me donner une phrase
Qui peut me donner une phrase impérative? Allez, qui peut me donner une phrase impérative? Oui, j'attends vos réponses. Allez, qui peut me donner une phrase impérative? Vous avez vu ça avec Madame Kaufre. Une phrase qui commence par un verbe, c'est une phrase impérative. Allez. Allez, j'attends vos réponses. Allez, une phrase impérative. Ferme la porte. Oui, ma porte est fermée, c'est bien. Oui. Oui. Mange une pomme. Bravo, Sané, c'est bien. Bois une tisane. Très bien, Sahit. Basma, c'est bien. Mohamed, c'est bien. Fais ton exercice. Bravo, ce sont des phrases impératives. Très bien, elles commencent par un verbe. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, arrête. Lorsque tu bavardes dans la classe, le maître vous dit arrête. Arrête de bavarder. Elle se termine par un point ou bien un point d'exclamation. On va voir ça. Donc, voici des exemples de phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Est-ce que c'est clair? Donc, prenez ça, puis on va passer aux formes de la phrase ou bien aux formes de phrase. La forme affirmative et la forme négative. Il y a plusieurs d'entre vous qui ne savent pas utiliser la forme négative. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette leçon pour fixer ce problème chez vous. Est-ce que c'est clair? Allez, prenez ça. Tu dois faire tes devoirs. Reste sur ton lit, reste dans ton lit, oui. Ouvre le livre. Oui, bravo. Suivez-moi. D'accord, on va vous suivre. Ferme la porte, reste à la maison. C'est très bien. Allez, maintenant on va passer aux formes de phrases. C'est très important. C'est la partie la plus importante dans cette leçon. C'est la partie la plus importante dans cette leçon. La forme affirmative et comment transformer des phrases d'une forme à une autre. Reste à la maison, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Ouvre. Tu dois boire du jus, c'est bien. C'est bien fait, c'est bien, Sarah. Oui, très bien. C'est Mehlionsi, bravo. Oui, c'est très bien. Ce sont de bonnes phrases. Je suis content de vous. Fais tes devoirs, devoirs sans e, sans e. Devoirs. Tes devoirs à la fin S. Merci beaucoup, de rien. Ferme la porte. Mélange le sucre avec la farine. Les autres, allez, je veux vous écouter. Donc, des phrases impératives, vous avez vu ça? Oui, cinquième année et quatrième année. Allez, on va maintenant passer aux formes de phrases. On va parler des formes de la phrase. Allez, je vais effacer. Donc, on va maintenant parler des formes de phrase ou bien les termes de la négation aussi. Donc, est-ce que vous avez terminé? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Allez, on va parler de... Donc, nous avons dit qu'il y a la phrase, il y a la forme affirmative, il y a aussi la forme négative. Donc, il y a d'autres formes. Il y a plusieurs formes. Donc, vous allez les voir lorsque vous serez un peu grand au collège ou bien au lycée. Vous allez voir
Tout ça. Mais pour la quatrième année et la cinquième année, on va, la sixième année aussi, on va voir seulement les phrases affirmatives et les phrases négatives. C'est notre objet de cette séance. Il y a plusieurs formes. Il y a cinq ou six formes. C'est bien, Noor, Mohamed, c'est très bien. Il y a deux formes de la phrase. Oui, pour vous, la quatrième année, il y a, on va parler seulement de deux formes. Allez. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui, c'est très bien. Bon, c'est clair. Alors, suivez-moi bien. Donc, ici, c'est la forme affirmative. C'est la forme affirmative et la forme négative. Donc, ce que nous savons déjà, donc ce que vous savez, une phrase négative, c'est une phrase qui dit non. Et une phrase affirmative, c'est une phrase, une phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Et la forme négative, c'est une phrase qui dit non. C'est ce que nous savons déjà. Donc, pour commencer, une phrase affirmative, c'est la phrase qui dit oui. Et la forme négative, c'est la phrase qui dit non. C'est pour commencer, c'est juste pour commencer. Donc, ici, je rappelle, est-ce que vous voyez bien le tableau? Oh oui, la forme affirmative et la forme négative, c'est très bien. Donc, la forme, si vous voyez ici, je peux écrire au tableau là-bas. Oui, donc, affirmative. Et négative. Donc, ce que vous savez déjà, la phrase affirmative, c'est une phrase qui répond par oui. Et la phrase négative, c'est une phrase qui répond par non. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que vous savez déjà, donc la phrase affirmative, c'est une phrase qui répond par oui. Et la phrase négative, c'est son contraire, c'est une phrase, c'est son opposé, c'est une opposition. C'est une phrase qui répond par non. Oui. Pourquoi oui? Vous me dites non. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi le non? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oui. Allez. Donc, vous allez essayer de me suivre. Donc, on va... Je vous ai donné des phrases à la forme affirmative et on va les transformer à la forme négative. Puis, on va tirer notre conclusion. Allez, suivez ici. Allez. Pour ceux qui ne voient pas le tableau, essayez de me suivre. Essayez de m'écouter. Je ne sais pas, je vous fais ça pour un bébé, il voulait. Donc. C'est très bien, voilà. Donc, allez, on va lire les phrases ensemble. Allez, écoutez. Il veut jouer.
C'est une phrase qui se termine par un point. C'est une phrase comment? Déclarative. Lorsque je vais transformer cette phrase à la forme négative, il ne veut pas jouer. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté le ne et le pas. C'est bon? Donc, il veut jouer, il ne veut pas jouer. C'est une phrase qui dit non. Oui, il veut jouer. Non, il ne veut pas jouer. Il a encore faim. Il a encore faim. Il n'a plus faim. En regardant cette phrase, je remarque qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Il a encore faim. Il n'a plus faim. Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Donc, regardez, il y a encore, il y a le mot encore. Lorsque je transforme une phrase où il y a encore de la forme affirmative à la forme négative, le encore devient plus. D'accord? Il n'a plus. Donc, encore, le contraire, c'est plus. Il n'y a plus. Donc, il doit toujours travailler. Il ne doit jamais travailler. Qu'est-ce qui a changé dans cette phrase? Il y a ici le mot toujours. 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 Le mot toujours, dans la négation, il devient jamais. Jamais. Il doit toujours travailler. Il ne doit jamais travailler. Donc, l'opposé de toujours, c'est jamais. Et l'opposé d'encore, c'est plus. Est-ce que c'est clair? Bien. Encore. C'est très bien. Encore. L'exception, la prononciation. Je vous écoute pas. Quoi? Quelle prononciation, Al-Fashrif? Tu parles de quelle prononciation? Le son? Je me demande si vous écoutez bien. Donc, cette leçon est pour vos enfants. Ce n'est pas pour les parents. Donc, je redis. S'il vous plaît, s'il y a des parents, des instituteurs, ou bien des professeurs, ou bien des enseignants universitaires, cette leçon, c'est pour vos enfants, ce n'est pas pour vous. S'il vous plaît, laissez vos enfants travailler. S'il vous plaît, laissez vos enfants travailler. Allez, j'ai tout compris. Donc, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Donc, tout, rien. Il y a des enfants dehors. Il y a des enfants dehors. Il y a des enfants dehors. Il n'y a, ça manque le Y. Il n'y a personne dehors. Donc, regardez, le mot personne, c'est l'opposé de les enfants. Lorsqu'il y a des enfants, plusieurs enfants, il n'y a personne. Le contraire, c'est personne. Donc, j'aime les pommes et les oranges. J'aime les pommes et les oranges. Ici, il y a, j'aime deux choses. Les pommes et les oranges. Les pommes et les oranges. Alors, lorsque je parle de la négation, je n'aime ni les pommes ni les oranges. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons parlé de ne pas seulement. Mais on va voir qu'il y a plusieurs termes de négation et vous allez apprendre à employer ces termes de négation dans vos productions écrites. Donc, lorsque je dis j'aime les spaghettis et j'aime le couscous, par exemple, en réponse, lorsque je devais dire non, je n'aime ni spaghettis ni couscous. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je pense à quelque chose. Quelque chose. Je pense
à quelque chose. Je pense à mon avenir, je pense à mon école, je pense à mon animal, je pense à ma maison. Donc, lorsque je vais répondre par non, je ne pense à rien. À rien. À rien. J'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. J'attends un ami, ou bien une amie, ou bien un parent, ou bien ce que vous voulez. J'attends quelqu'un. Donc, je n'attends personne. Je n'attends personne. Donc, voici la forme négative et voici la forme affirmative. J'ai transformé des phrases de la forme affirmative à la forme négative. On va tout à l'heure voir comment on peut les trouver facilement. Allez, essayez de prendre ça, puis on va continuer. Personne. Oui, Mohamed, c'est très bien. Oui. Nini, bravo, Séné. Oui, les autres. Bravo, les autres, c'est bien. Vos commentaires, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? J'ai transformé des phrases de la forme affirmative à la forme négative, puis on va chercher les termes de négation. On va donner d'autres exemples et d'autres exercices pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que je peux effacer le tableau ou bien enlever mon fiche pour continuer? Donc, allez, allez. Donc, je vais écrire ici. Donc, les négations, la négation, c'est ne, pas, ne, pas, ne, plus. Ne rien, ne personne, ne ni, ni, voilà, ne rien, ne plus, ne jamais, bon, jamais, ne et jamais, etc. Donc, il y a plusieurs, j'ai dit, il y a plusieurs formes de négation. Donc, les principaux formes que nous allons voir en quatrième année et en cinquième année sont ne pas, ne plus, ne plus lorsque je parle de quelque chose qui s'oppose à encore. Est-ce qu'il y a du café? Il n'y a plus de café. Est-ce qu'il y a des fruits dans le réfrigérateur? Il n'y a plus de fruits. Est-ce que vous comprenez? La pluie ne tombe plus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui est terminé, j'emploie plus. Je donne l'exemple de la pluie. Tout à l'heure, la pluie tombe. Est-ce que la pluie tombe encore? Très bien. Il doit toujours travailler? Il travaille toujours. Il voyage en France toujours. Il voyage à Paris toujours. Il ne voyage jamais. J'ai tout compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Donc, comme je viens de dire, ne pas, ne plus, ne rien. Est-ce que tu as de l'argent dans ta poche? Est-ce que tu as de l'argent dans ta poche? Je n'ai rien. Ne personne. Est-ce qu'il y a des enfants qui jouent sous la pluie? Il n'y a personne. Est-ce que je dis, est-ce que je peux dire il n'y a pas des enfants? Oui, je peux dire il n'y a pas des enfants. Mais c'est mieux de dire il n'y a personne. La nuit. Est-ce qu'il y a des personnes dans la rue?
La nuit, est-ce qu'il y a des personnes dans la rue? La nuit, il n'y a personne. C'est bien. Est-ce que vous me comprenez? Allez, on continue. Allez, on continue. Donc, est-ce que tu manges, est-ce que tu manges les spaghettis et les couscous? Non, je mange ni spaghetti, ni couscous. Donc, le ni, ni et ni. Donc, etc. Est-ce que je peux enlever ça? Allez, est-ce que vous me comprenez? Sinon, on va continuer notre leçon. Selim, c'est bien. Allez, est-ce que vous me comprenez? Oui, merci. Merci. Je suis content si vous comprenez cette leçon. C'est très intéressant pour vous, pour la production écrite. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous sommes en train de faire, la langue, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, tout, la lecture. C'est pourquoi? C'est pour l'utiliser dans la production écrite. C'est très intéressant. Pour améliorer votre qualité de production écrite, il faut bien savoir conjuguer, savoir former des phrases, savoir enrichir des phrases comme nous l'avons vu dans lors de nos séances de production écrite, lors du portrait d'une personne, la description d'un lieu, la description d'une personne malade, d'une personne en bonne santé. Donc tout ça, c'est pour l'utiliser dans vos productions écrites. Donc, essayez de comprendre comment utiliser la forme affirmative et la forme négative. Donc, il n'y a pas seulement ne pas. Parfois, lorsqu'on parle d'une chose qui est terminée, on dit jamais ou bien plus. Une personne, il n'y a personne. De l'argent, il n'y a rien, etc. Essayez de bien comprendre ça. Donc, ne pas, ne plus, ne rien, ne personne, ne, ni, ne, et ne jamais. Il y a aussi, on peut utiliser aucune. Oui, c'est une bonne phrase. Oui, les autres. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Allez-y, vos réponses. Je veux des réponses par oui ou non. Allez, est-ce que vous avez compris? Sinon, on va continuer. Allez, est-ce que vous avez compris? Donc, je répète. Il veut jouer. Il ne veut pas jouer. Il a encore faim, il n'a plus faim, il doit toujours travailler, il ne doit jamais travailler. J'ai tout compris, je n'ai rien compris. Il y a des enfants dehors, il n'y a personne dehors. J'aime les pommes et les oranges, je n'aime ni les pommes ni les oranges. Je pense à quelque chose, je ne pense à rien. J'attends quelqu'un, je n'attends personne. Donc, il y a deux exemples de personnes. Il n'y a personne dehors et je n'attends personne. Est-ce que c'est clair? Donc, regardez bien. Une chose très importante. Regardez au milieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est le verbe. Donc, le verbe se trouve entre ne et pas. Et pas.
Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que le son, ça va? Est-ce que vous m'écoutez convenablement? Oui, est-ce que le son, ça va? Est-ce que vous écoutez bien? Oui, oui, merci. Oui, c'est bien. Bravo. Le verbe, bof. On continue, allez. Donc, le verbe se trouve au milieu. Donc, les termes de négation à gauche et à droite. Donc, où est le verbe ici? Le verbe avoir, il se trouve au milieu. Il y a des enfants qui disent... Je, il ne peuvent. Est-ce que je peux dire ils ne peuvent? Donc le verbe se trouve toujours au milieu. Oui. Oui. Donc, il ne doit pas. C'est le verbe. Regardez, le verbe se trouve au milieu. Ne doit jamais. Donc le verbe au milieu. Le verbe ici, le verbe être aussi, il se trouve entre elle et rien. Donc, même chose ici. Et même chose ici, M se trouve entre le N et le ni. Le verbe penser se trouve entre ne et rien. Et le verbe attendre se trouve entre N et personne. Donc, pour la négation, les termes de la négation se trouvent à gauche. Et à droite du verbe. Il se trouve à gauche et à droite du verbe. Est-ce que c'est clair? C'est très bien. Toujours, les termes de négation se trouvent à gauche et à droite du verbe. Seulement dans un cas, ils se trouvent ensemble dans un seul cas. Je vais vous montrer ce cas. Donc, au milieu ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le verbe. Il y a le verbe. Il y a le verbe. Il y a aussi le verbe. Donc, le verbe se trouve toujours au milieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui, c'est bien. Est-ce que vous m'écoutez convenablement? Donc, s'il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas, il doit me signaler, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez, Madame Kauf? Est-ce que le son, ça va? Verbe, oui. Allez, on continue maintenant. On va passer à quelque chose d'autre. Donc, voilà. Donc, on a terminé avec ça. Donc, seulement dans un cas, regardez ce cas, un seul cas où le verbe se trouve avec, où le ne pas se rassemble, par exemple, le maître me demande de ne pas jouer. Le maître me demande de ne pas jouer. Seulement ce cas. Donc, plus infinitif. Le maître me demande de ne jouer, c'est verbe à l'infinitif. Mais généralement, toujours les termes de négation, le ne avant le verbe et le pas, le plus, le rien, le personne, le jamais à droite du verbe. Est-ce que c'est clair? Donc, les termes de négation se placent à droite et à gauche du verbe. Est-ce que c'est clair, mes enfants? Est-ce que c'est clair pour vous avant de passer aux exercices? Sinon, on va passer aux exercices. Donc,
Une seule chose, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Allez, lorsque j'utilise à l'oral, il y a une différence entre l'oral et l'écrit. À l'oral, je ne prononce pas le. À l'oral, je ne prononce pas ne. Mange pas, je ne mange pas les fruits. À l'écrit. À l'écrit. J'écris le ne. Je la prononce, je la lis. À l'oral, non. Donc, j'écris, je ne mange pas les fruits. Mais à l'oral, je dis, je mange pas les fruits. Donc, à l'oral, donc, à l'oral, je ne la prononce pas. À l'oral, je dis, je mange pas les fruits. Mais à l'écrit, je dois écrire ne. Donc, voici le verbe ne pas. Ne pas. Pas à droite et ne à gauche. Est-ce que c'est clair? Donc, il vaut mieux à l'oral, je préfère dire je mange pas les fruits. Mais à l'écrit, je dois l'écrire je ne mange pas les fruits. Allez, on va passer aux exercices. Je vais vous proposer quelques exercices. Allez, on va passer aux exercices. Allez, je veux que vous me répondiez. On va tout d'abord dire quels sont les types de ces phrases. On va parler du type de ces phrases. Allez, quel est le type de ces phrases? Vous allez me dire quel est le type de ces phrases. Ce n'est pas la forme, le type. Allez, vous allez m'écrire le type. Quel est le type de ces phrases? Allez-y, la première phrase. Je mange des fruits. Quel est le type de cette phrase? Allez, la première phrase. Est-ce que vous écoutez? La première phrase, allez, je mange des fruits. C'est une phrase? Attention, je parle du type. C'est une phrase de... Très bien. Ça n'est, très bien. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Que manges-tu? Que manges-tu? C'est une phrase comment? Allez, que manges-tu? La deuxième phrase. La deuxième phrase, que manges-tu? Non, la première phrase, c'est une phrase déclarative. La deuxième, que manges-tu? Allez, la deuxième phrase. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle se termine par un point d'interrogation. La deuxième phrase, c'est une phrase... interrogative. C'est une phrase interrogative. La troisième phrase. Quelle merveille. Quelle merveille. C'est une phrase qui exprime un sentiment. C'est une phrase. Oui. C'est une phrase exclamative. C'est très bien. Exclamative. Très bien. Nous allons au stade. Nous allons au stade. C'est une phrase comment?
La phrase numéro 4. La phrase numéro 4. C'est une phrase. C'est bien, Asil. C'est bien, c'est une phrase déclarative. Déclarative. Allez, la cinquième phrase. Prépare tes devoirs. Prépare tes devoirs. C'est une phrase comment? Déclarative. C'est bien, Amon. Très bien. La cinquième phrase. C'est une phrase. Elle commence par un verbe. C'est une phrase impérative. Arrête de parler. Elle commence aussi par un verbe. C'est la même chose. Elle commence par un verbe. C'est une phrase impérative. Et la dernière phrase. Finis ta soupe. Allez, la dernière phrase. La dernière phrase. Allez. La dernière phrase. La dernière phrase. Finis ta soupe. Très bien. La dernière phrase, c'est une phrase aussi impérative. Impérative. C'est très bien. Donc, ce sont les différents types de phrases. Allez, corriger, puis on va passer aux exercices, à l'exercice numéro 2. Allez, je vous donne 2 minutes pour corriger. Allez, corriger avant que je continue. Oui, le ne pas ne s'écrit jamais ensemble. Verbe à l'infinitif, c'est très bien. Et pour un juste de ne pas jouer, de ne pas manger. Il me demande de ne pas bavarder, c'est bien. On dit phrase impérative, pas impératif. C'est une phrase impérative. Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Allez. Allez, essayez de corriger, puis on va passer à l'exercice numéro 2. Oui, déclarative, interrogative, exclamative, déclarative, impératif, c'est très bien. Les 3 dernières phrases, ce sont des phrases impératives. C'est bien Youssef, c'est bien les autres aussi. Oui, Molka, c'est bien. Bravo, oui, continuez, allez. Déclaratif, c'est très bien. Oui, c'est bien. Allez, où sont les autres? Impératif. Impératif, Ben Youssef Slim. Impératif, ce n'est pas impératif. Attention. Donc, impératif. C'est une phrase qui donne un ordre. Ou bien une phrase qui donne une recommandation. Elle commence toujours par un verbe. Très bien. Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Allez. On va entourer les termes de négation. On entoure les mots de négation. On va entourer les mots de négation. Donc, je vais mettre dans un cercle les mots de négation ou bien les termes de négation. Oui, donc je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Donc, on va essayer de entourer les termes de négation. Hmm.
Oui, c'est bien. Allez-y. Allez, j'attends vos réponses. Très bien. Donc, la première phrase, allez, on va entourer ensemble. Le chien pas. Allez, la deuxième phrase. La deuxième phrase, ne pas. C'est très bien. Je ne sors pas. Donc, vous remarquez qu'il y a toujours le verbe au milieu. La troisième phrase, l'oiseau ne chante plus. Ne chante plus. L'oiseau ne chante plus. Très bien. Ne plus. Donc, le verbe au milieu. Le verbe au milieu. La nuit, il n'y a personne. Où sont les termes de négation? La nuit, il n'y a personne. C'est bien, oui. Oui, Emira, c'est très bien. Ne pas, ne plus, ne personne. C'est très bien. Allez, donc, N, personne. Le verbe se trouve au milieu. Le verbe, pardon, le N, ça c'est le verbe. C'est le verbe, pardon, c'est le verbe. C'est le verbe. Et voici les termes de négation. Il n'y a rien dans ma poche. Donc, N et rien. Il y a le verbe aussi au milieu. Donc, comme vous voyez, les termes de négation se trouvent à gauche et à droite du verbe. Ne pas, ne pas, ne plus, ne personne, ne jamais, ne rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. Issam, c'est bien. Nejet, c'est très bien. Une personne. Mohamed Zouébi, c'est très bien. Mohamed Zouébi. Fils de Lies Zouébi, c'est très bien. Ne rien. Imen, c'est très bien. Nejet, c'est bien. Sarah, bravo. Oui. Basma, c'est très bien. Basma Kamoun. Mohamed Zouébi, ne jamais, c'est bien. Mohamed. Rafika, très bien. C'est bien. C'est bien tout le monde. C'est bien. Je remarque que vous avez bien compris votre leçon. Allez. Il nous reste un seul exercice à terminer. Allez, faites vite. Puis, on va terminer le dernier exercice. Allez-y. Très bien, Ben Youssef. C'est très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui. Anour. Senez, ne jamais. Nour l'Arfewi, c'est bien. Bravo, Nour l'Arfewi. Semeh Lyonsi, c'est très bien. Semia Youssi, merci, c'est bien. Yed, c'est bien. Séné aussi, très bien. Oui, bravo les enfants, c'est très bien. Donc, il n'y a pas seulement le ne pas. Il y a le ne pas, le ne plus, le ne jamais, ne rien, ne personne, ne, ni, ni. Et vous allez voir, lorsque vous serez au lycée, il y a d'autres, il y a aucune, il y a aucun, il y a plusieurs choses. Donc, essayez de bien utiliser ça dans vos productions écrites. Très bien. Raouda, c'est bien. Ben Youssef Slim, c'est très bien. Bravo. Allez-y. On va terminer le dernier exercice. Allez. Est-ce qu'on peut passer? Très bien. C'est clair. Allez, on passe au dernier exercice. On va transformer des phrases à la forme négative. C'est le dernier exercice. Allez, voici le dernier exercice. C'est le dernier exercice. On va transformer ces phrases à la forme négative. Donc, on va transformer ces phrases à la forme négative. Transforme les phrases à la fin S, pardon. Les phrases à la forme négative. La pluie tombe encore.
Je connais tout le monde dans la fête. Tout. Amélie aime la natation. Mon père voyage toujours. J'aime les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Tu es encore jeune, encore. Il y a plusieurs chats. Donc, vous allez transformer ces phrases à la forme négative. À la forme négative. Donc, on va transformer ces phrases à la forme négative. Allez-y. Donc, je vous donne 2 minutes. La pluie ne tombe plus. C'est très bien. La première phrase, on va commencer par la première phrase. C'est très bien, Honeid. Hayat, c'est très bien. Bravo. Allez-y. La pluie ne tombe plus. Est-ce que vous voyez comme ça? Donc, encore, l'opposé de encore, c'est plus. La pluie ne tombe plus. La pluie tombe encore, la pluie ne tombe plus maintenant. Je connais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Avec quoi je peux remplacer tout le monde? Oui. Je ne connais personne. Personne dans la fête. Vous allez terminer la phrase. Je ne connais personne dans la fête. Allez, donc, Amélie aime la natation. C'est très simple cette phrase. Amélie n'aime pas la natation. La natation. D'accord? Donc, il y a toujours le verbe au milieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mon père voyage jamais. Ne voyage. Attention, ne voyage jamais. Hassib, c'est très bien. Ne voyage jamais, c'est très bien. Mon père donc, voyage, ne voyage jamais. C'est très bien. Donc, parce qu'il y a ici toujours. J'aime les fruits et les légumes. Oui, j'aime les fruits et les légumes. Hein? Alors, j'aime les fruits et les légumes. Donc, il y a 2 choses. Ne voyage jamais, c'est très bien. C'est très bien, Hassib. Oui, les autres. Oui, mon père ne voyage jamais, ne jamais. Oui, très bien. Donc, la deuxième phrase, la semaine suivante, ni. Je n'aime. Alors, il y a les fruits et les légumes. Il y a 2 choses. Je n'aime ni. Je n'aime ni les fruits, ni les légumes. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la pluie ne tombe plus. Je ne connais personne. Amélie n'aime pas la natation. Mon père ne voyage jamais, jamais, parce qu'il y a ici toujours. Je n'aime ni les fruits, ni les légumes. Tu es encore petit. Allez-y.
Tu es encore petit. Tu es encore. Tu n'es plus petit. C'est très bien, Anour. Anour. Amouna, pardon. Très bien, Amouna. C'est très bien. Tu n'es plus petit. Ied, c'est bien. C'est bien, Ied. C'est bien. Tu n'es plus. Donc, ici, il y a encore. Donc, je dois utiliser plus. Tu n'es plus petit. Petit. Donc, plus. Et le verbe, c'est le verbe être employé avec tu au milieu. C'est le verbe. La dernière phrase, il y a plusieurs chats. Il y a plusieurs chats. Il y a plusieurs chats. Alors, tu n'es plus petit, tu n'aimes plus le confinement. Oui, c'est très bien. Edm, c'est bien. La dernière, allez, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun chat. Il n'y a aucun chat. C'est très bien. Amona al-Bahri. Amona, Amona, je n'ai pas. Amona. Oui, c'est bien, Amona. Tu n'es plus petit, tu n'es plus petit, c'est très bien. Donc, il n'y a aucun chat, ou bien il n'y a rien, ou il n'y aura plus de chat. Tu n'es plus. Il n'y a aucun chat. C'est très bien. Aucun, donc aucun, c'est nouveau, aucun chat. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun chat. C'est bon? Donc, ne plus, ne personne, ne pas, ne jamais, ne, ni. Donc, ici, un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. La même chose ici, ne plus et aucun. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants? Est-ce que vous avez compris cette leçon? Donc, la pluie tombe encore. Amélie aime la natation. Amélie n'aime pas la natation. Mon père voyage toujours. Le contraire du jour, c'est jamais. Mon père ne voyage jamais. J'aime les fruits et les légumes. Je n'aime ni les fruits ni les légumes. Tu es encore petit. Tu n'es plus encore plus petit. Il y a plusieurs chats. Il n'y a aucun chat. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est très bien. Wajdi, Riva, Najet. Oui, les autres. Meher, c'est bien. Allez, les autres, Monera. Monera, vous devriez utiliser ça dans vos productions écrites. Merci, merci. Samer, Amélie, très bien. Connexion, ça va, j'ai en temps réel. J'ai bien kiff votre cours. C'est bien, Amouna. J'ai bien kiff. C'est un joli mot. Oui. Très bien. Youssef,
Bravo, Zainab, merci. Salim, oui, c'est bien. Bravo. Bravo à toi aussi, Moni. Houyem. Hamdi, Emna, très bien. Yahye, oui, Najla, bien. Isra, c'est parfait. Ishraf, très bien. Pas de merci, Ishraf. C'est Hedha Wajib. Merci beaucoup. Mohamed Zouébi. Bien, Mohamed Zouébi. Moufida. Soumaïa, Ayari, Youssef, Amin, j'espère bien que vous avez compris cette leçon. Allez, donc vous allez trouver plus tard, vous allez trouver quelques exercices d'application pour cette leçon. Je vais vous poser sur le mur de la page Madrasatna des exercices dans lesquels vous allez transformer des phrases de la forme affirmative à la forme négative ou bien de la forme négative à la forme affirmative. Est-ce que vous avez compris? Allez, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, bye bye.